Venez avec moi, monsieur. Ok, c'est bon. Regarde, donc on écarte tous les gens qui sont là. Regarde, monsieur. Par ici avec les autres. Vous venez où? Non, mais vous n'avez pas porté ça. Non, mais c'est bon. Extraction des gens, maintien à l'extérieur. On a nos invitations. Non, mais là, désolé. On a nos invitations. On a fait quoi? On a fait quoi? Oui, très bien, mais c'est nous qui sommes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a troublé l'ordre public? On n'a pas troublé l'ordre public. Non, on va pas à l'extérieur. Ils ne vont pas à l'extérieur. Ces personnes restent ici. Le protocole vous demande simplement d'enlever votre t-shirt. D'accord. Mais pourquoi? C'est le protocole, monsieur. Donc je vous dis que si vous voulez assister à la cérémonie, on vous dit juste. On enlève simplement le t-shirt. C'est normal, on récupère le sac aussi. Le sac, on a acheté les t-shirts. Je vais aller le récupérer. S'il vous plaît, vous pouvez vous regrouper, vous enlevez vos t-shirts et je vais vous installer. Ils sont là. Merci beaucoup. Oui, on va enlever. On enlève nos t-shirts. Il ne faut pas qu'il en manque un. Vous avez peur de nous? C'est bon. On ne va pas parler. On n'a pas le droit d'avoir des t-shirts. On n'a même pas le mettre. Je suis désolé. Hein. Là, il n'y a pas de problème. C'est quoi, désolé. C'est incompréhensible. Vous n'avez même pas de raison. Je vais aller vous le récupérer. Je vais aller le récupérer. Vous pouvez vous regrouper, on va aller s'asseoir. Merci. Il y aura des places pour tout le monde parce que. Venez avec moi. Dès qu'il arrive, je vous promets, allez avec les autres, moi, je vais tout faire. Ah, mon t-shirt.
Vous envoyez aux ordres comme ça. Attends, j'attends mon sac. Je rends mon sac. Et... Ah là. C'était ouf. Allez, c'est parti. Allez, les gars. Allez, on y va. Eh les gars, on se rapproche, on encale. On vient de nous dire qu'on va nous installer. Attends. On vient de nous dire qu'on va nous installer maintenant. On y va. Non. Donc c'est pas la peine d'enlever alors. On y va. On y va. Non. Allez, messieurs, on y va. Non, je ne mettrai pas de t-shirt. Allez, on y va. Je ne mettrai pas de t-shirt. On y va. Allez, on y va. Non, c'est vos hommes qui se On continue. Suivez-moi, par là. On nous dit d'écouter les gens, on a retiré notre t-shirt et voilà. On retire notre t-shirt et on nous jette dehors comme des malpropres. On a une invitation officielle, le collectif anti-négrophobie. Mais je sais pas c'est quoi le problème de porter un t-shirt. Et vous nous expulsez d'une commémoration officielle. Rentre ici. Faut bien encager les gars. Voilà. Mais c'est quoi la suite hein? Sinon maintenant on va avancer gentiment. Regardez messieurs dames, la police française dans une action non violente à la commémoration d'esclavage. Regardez comment ça se passe la police. On a une invitation officielle du gouvernement, invitation officielle de Nicolas Sarkozy. Et regardez comment se travaille la police. Filmez, n'hésitez pas à filmer. Regardez ce qui se passe en France lors d'une commémoration de la fin de l'esclavage. Regardez ce qui se passe en France messieurs dames.
action non violente à la commémoration d'esclavage, regardez comment agit la police. Pour un simple t-shirt, collectif anti-négrophobie, regardez comment agit la police. Regardez bien, messieurs, dames. Regardez ce que fait la police française. Regardez bien, lors d'une action non violente pour la commémoration d'esclavage, regardez comment agit la police. Pour un simple t-shirt anti-négrophobie à la commémoration d'esclavage, regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez, je suis non violent, messieurs dames. Pour un simple t-shirt. C'était... Allez. Non, c'est bon, laissez-le. Allez, doucement, c'est bon. Lâchez-moi. Attention, merde, attends. Merde.